Voilà. Indéniablement, personne, tu n'as rien, son marque, un trop instable là-bas. La compagnie ne va pas nous envoyer des remplaçants, ils préfèrent tous bosser deux fois plus tard de rentrer. Est-ce qu'ils nous... Alpha 1, ici Bravo 1, vous me recevez? Ici Alpha 1, avez-vous trouvé quelque chose? On a fouillé la résidence des Baker, aucun survivant. Je répète, aucun survivant. On a trouvé des traces de lutte. Evelyne? Négatif. En revanche, on a trouvé plusieurs messages codés de Michael, fils des Baker, à destination d'un tir inconnu. Vous pouvez sûrement imaginer qui c'était. Adieu les vacances. Il serait dans les mines abandonnées au sud de la propriété. Je vais aller jeter un œil. Bien sûr. On vous retrouvera à ses coordonnées. Si vous voyez Evelyne, vous avez l'ordre de l'abattre. Je répète, abattez-la. C'était Chris! C'est quoi la première fois que j'ai vu ça? J'ai fait. Putain, c'est la voix de Chris. Et Oh, y'a Mugi! Arrête-toi. Voilà, ouais, Mugi, il est là, il va faire sa loi. La première fois que j'entends, j'ai fait. Putain, c'est la voix de Chris! C'est la voix de Chris! Et sinon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh, je sais plus. Ouais, je me dis, est-ce que par hasard, Mia, elle a repris conscience, elle a pas contacté Chris. Et c'est comme ça, enfin, Umbrella, et c'est comme ça qu'il serait revenu. Alors, attends. Non, ça, on garde. Non. Non, ça, bon, attends, on va tout ranger comme ça, enfin. Mitraillette, on garde. Merci les stuffs. Purple Joe. Et bienvenue dans le réseau Family. Et Sid était le bienvenu pour venir dans le Discord si tu veux venir squatter. Je connais le jeu. On respecte ici, non mais oh. Tout B. Mais mon tout B. Je disais quoi, oui, mitraillette, parce qu'on a beaucoup de balles de mitraillette, on prend. Lance-grenade, on prend. Ça, c'est le deuxième fusil, on prend. Couteau, on prend. Cartouche de fusil, yes. Non, pas le couteau de poche. Couteau de survie. Magnum, on prend. Hop, on a des herbes. Ah, plan chimique. On a mes soins. Ah, des herbes. Un soin fort. J'avais pas des... Ah, combustion, voilà. Agent chimique fort, donc tac, tac, tac. Voilà. Et ça, tac. Je pense qu'on n'aura pas d'autre qu'en combustion, donc autant... Ah bah tu sais quoi? Eh non, on va faire ça. Hop. Balle de magnum, on a tout juste ce qu'il faut. Si on n'a pas de balle en plus. Ok. Et bon, on est parti. Bon, il se passe plus de temps à ranger son inventaire que faire le jeu. Ouais, franchement, ouais. Merci beaucoup, c'est gentil. De rien, Steph. Du coup, t'arrives quasiment au fin du marathon. On est tous bienveillants sauf Moï.
Il y a Chronos qui a la flemme, y a, enfin la flemme, il a le seum parce que j'ai tué Mia. Ah bah c'est là, je peux y aller, hein, j'ai des balles. Hein. Que je viens de faire, faut absolument pas le faire. Survie. Bon, c'est. Batterie, je reviens dans 5 minutes. Ok. Oh le bâtard. C'est ouf que quand tu arrives après le boss de Jack, du coup, quand tu reviens avec Ethan, c'est t'es blindé de munitions. Par contre, à la fin, tu vas en. Voir quoi? Ah le Talmud, ok oui. Ah, on Enzo? Qui est quoi comme de... Putain, ça va être ça. Ouf, les balles que je leur vois. Non, là franchement, c'est déconner le nombre de balles qu'il faut pour en tuer un. Je peux lui montrer. Boogie, t'es mon modérateur. J'accepte tout ce que tu fais. T'as décidé de t'amuser de quelqu'un? T'as t'amuser de quelqu'un? Ça. Tout ça pour une balle de Magnum. Oui, il va plus revenir que ça. Non, il me kiffe trop.
Génial. Ah, staff est tout nouveau, fais le pas. Chrono, ça passera. Le bâtard. Putain. Mon guide a dit sur Chrono tu peux, il l'a fait instant. Là, ça c'est toutes les fois où Chrono dit j'écoute du Jul ou il kiffe Resident Evil 6. Si je peux attaquer une balle, c'est parce que des fois ils sont piégés. Tu vois, plein de secondes où augmenter. Non, ça se fout. Il y a Chrono. Ah, mes modos, ils ont plus de pouvoir que moi. Genre. De pute. Alors, attends, encore, c'est mon guy. Et une, c'est pire, c'est Tari. Elle, elle a les droits absolus. Bah, lui, c'était un tonneau. J'ai tari, elle a les droits, mais au-delà de tout. Envoyé le 16 janvier 2015 à Mini 42, grâce à vous. C'est environ une semaine que j'ai repris mes esprits et que je suis redevenu normal. Et pourtant, elle croit encore que je lui appartiens. Comment trouver un moyen de réparer ça? Seulement, elle a l'apparence d'une gamine, mais elle a aussi le QI. Maman et papa sont toujours complètement sous le contrôle par contre. Pour la famille, c'est un truc reprogrammé, c'est un peu à chier. Connasse de Mia, elle est encore quelque part entre le monde merveilleux des vies et la réalité. Elle a tendance à devenir sacrément violente, donc je l'ai enfermée dans une... Je pense qu'Evelyne... En Ron, vu que Mia est sa petite favorite, mais elle a l'air de s'en foutre. Elle pense que Mia et sa maman, je vous l'ai dit, votre âme biologique laisse sérieusement à désirer. L'obsession divine pour la famille est incontrôlable. Elle pousse tout le monde à kidnapper de plus en plus de pèlerins dans la rue pour les ajouter à son musée des horreurs qu'elle appelle famille. Peut-être qu'elle en a marre que Mia ne l'écoute pas. Mais je sais parce que c'est toujours moi qui ai le bordel à chaque fois qu'il y en a de nouveaux arrivants. En fait, il y a un problème avec l'apparence divine. Sa peau devient toute ridée et elle commence à avoir des cheveux gris. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'elle a vieilli à vitesse grand V? Alors. Quand il parle de programmer une arme biologique, là t'es sûr que c'est les connexions, tu vois. Pour moi, c'est les connexions. Vous avez Evelyne. C'est eux qui l'ont créé. Et il y a des stéroïdes. C'est cool. Et du coup, il y a. Parmi, il y a quelques connexions. Ah oh, putain, attends, vous avez parlé. Pauvre chrono, c'est ma putain. J'ai un problème, dis-moi ton problème. Comment m'embête sur le chat. Mugi, tu veux embêter Chrono, t'as juste à te dire que Léon il est naze. Ce rapport détaille les symptômes survenant lorsque la bactérie qui peuple l'intérieur d'un cellulaire infecte un être humain. Il lit attentivement le document afin de rentrer en contact avec les prototypes d'armes de série E, et comme si c'était la moisissure. Infection initiale, la moisissure se propage en intégrant des nutriments contenus dans le corps du sujet et prend lentement possession du corps. A pour effet d'attribuer d'affecter la faculté de la régénération hors du commun. Lors de nos expériences, nous avons un bras et des jambes sur leur cobaye. Nous avons pu constater que les membres amputés repoussaient en quelques minutes. Infection intermédiaire, lorsque la moisissure atteint le cerveau du sujet, les pensées de celle-ci synchronisées avec celles de la série E, j'ai pu avoir des hallucinations à la fois auditives et visuelles et trouve sous l'emprise de la série E. Cette aperture, l'autre perd tout son. Égo. Une fois que la cellule
que chaque cellule du corps a été infectée par la moisissure, le sujet commence à perdre forme humaine et mutation physique. Varie d'un individu à l'autre, mais dans tous les cas, le sujet acquiert une incroyable force physique. Tenir un sujet à ce stade est... En fait, avec le document tout à l'heure, quand on disait ouais, elle vieillit trop et tout, c'est là que tu captes que c'est la vieille, Evelyne. Et en plus, pendant un moment, tu la vois plus. Entre-temps, tu l'as oublié. Evelyne, c'est un champignon à la con, donc il est aux légendes, elle sera invisible, c'est dégueulasse. Bah dis-toi que avec l'histoire de ma sœur et tout, je me demande si c'est pas une histoire de champignon aussi. On va parler. Action, s'il vous plaît. Imagine, tu penses, hey, qu'est-ce qui se passe si on n'active pas ça et qu'on se barre un truc à tester un jour. Début en 2000, Axus HC, ce projet a fait de nombreuses actions compagnie objet. Et comme attends, de façon massive avec le meilleur contact d'erreur, t'as les sensibles de Nexbox, ensuite. T'entends pas beaucoup. Comment ça, tu m'entends pas beaucoup? Celle qui est... Ouais, alors attends. Disons de manière significative. Le projet n'a jamais vu. On s'en fout. Baptiste Evelyne est capable de secréter du net, ouais. Peu après l'infection, le sujet se met à voir des images d'Evelyne, parfois accompagnées d'hallucinations auditives et qu'il faut entendre sa voix. Observation menée, ouais. Ouais. C'est un peu long. Le poteau. Ouais, bon. Voilà, c'est tous les trucs qu'on sait sur Evelyne. Et grenade incendie. Comme j'ai plus de balles, les mitraillettes, on l'arrange. On va reprendre. Alors le pistolet comme ça, je sais pas si vous. Et ça, c'est le. Alors, munitions améliorées, et on prend que des munitions améliorées. Ouais, juste les munitions améliorées, c'est suffisant. Le grand amour entre vous. D'accord, j'étais de l'autre côté. Oh putain, munitions améliorées. T'as pas de pouvoir, toi. Viens au vocal, vas-y.
Coucou. Allô? Alors attends, mets ta voix. Là on t'entend, vas-y parle. Bonsoir, bonsoir. Donc normalement on t'entend bien. Bon, t'arrives pour la fin? Ouais, comme d'hab. Demain après c'est DLC. Ouais, il va plus jamais revenir en fait, Chronos. Non mais c'est comment ça? Alors attends. Et quand, en plus, hey, depuis tout à l'heure, ils n'arrêtent pas de nous donner des indices. Un message disant, ouais, Evelyne est veillée vite. Là, on attend la gamine de faire la musique que la vieille a murmuré au début. Dès le début, t'as l'échantillon, c'est E001, et t'as une photo de la vieille avec E001. Et le jeu, t'as spoilé dès le début sur Evelyne, mais il faut le deviner. Ouais. M'arrête, ça me fait. Bah viens, je t'attends, y a pas de soucis. C'est encore la mode de dire Octogone? C'est ça quoi. On voit que c'est un enfant. En fait, tu dis ça, mais je sais même pas quel âge il a. 18 ans? Et il est content. Tu sais que je peux te time-down encore, mais à l'infini si je veux. Et je pense pas que ce sera Rizou qui arrivera pour dire stop. Oh, bon, j'en ai rien à foutre. Tu fais ce que tu veux. Et encore, Mugi, il est gentil. Hein. Bah, c'est rien, il doit juste refresh la page internet, c'est tout. Faut pas déconner, nous. La pire c'est Tari, alors là s'il a décidé d'un truc je fais vas-y. Hop là. Même moi je vais pas contre la vie de Tari. Tari quand elle parle généralement on fait un no gueule. Hein. Ouais moi non je tombe pas ma gueule quand Tari elle parle, tout le monde dit même avis donc c'est. Ouais. Oh les munitions améliorées c'est tellement de la balle. Excuse-moi bien sur ce. Je peux être super modo. Non y'a pas besoin de modo en ce moment. Oh y'a trop de modo déjà. Voilà. Si y a un mec qui devient modo, c'est plus Litty qui aura de la chance. Et encore lui, ça fait long temps qu'il dit eh, pourquoi je suis pas modo alors que ça fait longtemps que je suis là et qu'il me connaît bien. Et il était là avant moi, je suis passé modo. Oui, oui, oui. Non, mais Litty il est pas modo juste pour parce qu'il est inculte. Raison de merde. Quand il me dit ouais je connais pas le retour de la future, il a pas regardé Jurassic Park, il a pas vu Terminator 2. Et pas, ok il a pas tous vu mais voilà mais tous les classiques quand il me sortait ça je fais ouais t'as rien vu de tout ça, je fais ouais t'as vu. Bon maintenant Terminator 2 si t'as pas regardé c'est compréhensible. Maintenant voilà, ouais. Par contre Jurassic Park. Ça je regarde, je les ai tout le monde a regardé. Je les ai regardés il y a 3 ans. Je les ai tous regardés il y a 3 ans. Oh comment je l'ai tué celui-là. Oh, les balles améliorées. Comment ça les tue trop vite? Non, mais je te jure, des fois, tout à l'heure, j'ai pété des plombs. Il y a des zombies, des fois, 20 balles de pistolet. Je fais, mais merde, tu meurs quand? Bon, par contre, là, je suis aux balles classiques de pistolet, c'est autre chose. La visée, elle augmente pas ta précision. Vaut mieux que tu trouves au jugé, en fait. De quoi? Tu sais que pour le jeu, ça sert à rien de viser parce que la visée au jugé est beaucoup plus puissante que la visée. Donc, tu sais depuis quand? Depuis toujours. D'accord. C'est dans Resident Evil 2 et 3 alors qu'il faut viser et attendre que le réticule descende pour les coups critiques. Bah Mugi a de l'abus de pouvoir. Non j'ai pas de l'abus de pouvoir. Je fais ce que je veux, c'est différent. Non l'abus de pouvoir c'est si moi j'enlève de la modération. Sauf que je le ferai pas pour X raisons. Parce que c'est Mugi de toute façon, c'est le meilleur modo. C'est grâce à lui qu'on a un Discord. T'as oublié de les tuer les trois les deux gros porcs là? Ouais! Enfin, non! Mais c'est préférable. En fait, quand si tu te presses contre l'échelle, t'as une bombe et il te fait descendre. Que j'ai fait une fois. Ah oui, je me fais bien même. Donc en gros, l'idéal c'est de tirer sur les mines. Et après, peut-être tu cours. Tu sais que plus il part, plus il me donne envie de me retime down. Le droit. Et dès qu'il me dit que Resident Evil 6 c'est bien, tu peux le terminer autant.
Mais le pire, c'est que ça passe de 3 secondes à 6 secondes, puis à 9, je sais pas. Bon, je vais être sage. Il y a intérêt que tu vas être sage. Mais... Oui, tu es très nul, je le vois. On survit ? En normal, il n'y a pas la bombe. J'aurais pu rusher direct. Non. On survit qu'il y a la bombe. Après, la visio jugée, c'est un coup à prendre sur le jeu. Je vois pas de bombe. Et je vais monter, je vais me bouffer une bombe, mais je la vois pas. Vous êtes qu'en survie. Bon, on a tué les plus gros monstres. Tu sais qu'au début que ce jeu est sorti, je n'aimais pas ce jeu. C'est que mon petit frère Mathieu, j'ai mis au moins un an pour lui dire va te faire enculer et joue au jeu. Et que je lui dis, et quand je lui dis ça a failli être le meilleur Resident Evil. C'est à cause du boss de fin qui est pas. Enfin qui est épique mais il est trop facile. Et pour moi ça a failli devenir le meilleur Resident Evil. Et moi au début j'aimais pas. Moi franchement au début le 7 j'ai pas réussi à accrocher. Je trouvais ça vite, tu sais, ça change. Oh le siège de la vieux. Ouais j'ai vu. Tu sais c'est le fait que. Comment dire le fait que ce soit déjà vu en vue FPS. Et que ça a rien à voir avec toutes les autres histoires, tu vois. Bah, faut bien que c'est une nouvelle histoire parce qu'en fait, quand t'as rien que Resident Evil 5, t'as tué Wesker, t'as déjà réglé les plus gros problèmes du jeu, de l'histoire, tu vois. Maintenant, c'est juste du bioterrorisme. Et là, quand tu revois la photo, tu vois E001 et tu retournes tuer. Mais oui. Et si t'as toujours pas compris, bon bah, en fait, tu le vois après. Mais c'est toujours pas compris, c'est que t'es con, surtout. Une balle pour une caisse. Non, mais... Allez, mute. Combien de temps? Oh, 1 minute. Oui, c'est beaucoup quand même. Ah bon? Ah, ça fait 60 secondes. Oh! Je l'ai jamais testé. Pourquoi je vois tout ça? Y'a rien de pire que quand tu vois quelqu'un, tu te retournes, paf, et on est plus proche que ça. C'était fait, hein. Je l'ai timed donc pendant 1 minute. Oh, cool! Ça va aller, c'est moi. Je sais que tu ne voulais pas. En fait, j'ai tué Mia. Ah, c'est bien. On est d'accord. Oui. Merci, Mugi. Tu vois, avec moi qui voulais. Ça valait, je valais 10 voix plus Mugi. Alors, tu sais, à un moment donné, qu'on a vu la vieille dans la chambre, on s'est dit si tu veux, c'est la vieille. La pédophilie. C'est Evelyne. Bah ouais. Oh. C'est ouf. Mais genre, en fait, genre t'as l'impression que tu prends des dégâts, mais en fait, t'en prends pas du tout. Genre le blindé de youtubeurs que j'ai vu quand ils ont fait le let's play qui ont grave flippé parce que bah, tu vois une miniature, tu peux tout taper. Tu vas devenir l'un d'entre nous. Et peut-être qu'alors tu voudras bien jouer. Quoi que quand tu la vois comme ça, on dirait qu'elle a 14 ans. Non, éloigne-toi de moi. Midi, t'es pas là devant. Laisse-moi crever. Que les premières fois j'ai flippé, je fais putain d'où il y a une Mia. Par contre, ça se voit qu'ils sont bien contaminés. Et je sais plus, c'est avec toi qu'on en parlait. Mia et Ethan, comme ils étaient bien contaminés, surtout Mia, ils ont pas fait un bébé difforme, une connerie comme ça. Dans le 8 ouais, avec... On en a discuté, ouais, je sais plus. Ça fait longtemps, je crois qu'on en avait parlé en plus. Récemment. Pendant le 5, non Sûrement, ouais.
Ouais, c'est possible. J'ai pas de souvenance, tu sais, moi, j'oublie vite. Je vais juste venir. En fait, je discute. Tu sais, j'écris dans le chat, mais en fait, je peux lui dire en vocal parce qu'il m'entend. Ah oui. Je vais juste venir pour lui, pour l'ennui. Tu sais, cette phase-là où 3 pouces. Ouais. Et bah, j'ai réussi à mourir la première fois. Pas toute première game. Parce qu'à chaque fois, je suis un connard qui oublie que je peux me protéger. C'est comme ça que la dernière forme de Jack, je suis mort plein de fois parce que j'avais oublié ce système de se protéger que j'ai pas l'habitude dans Resident Evil. On dirait Manias qui hurle. On dirait ma fiole qui hurle. Parce que t'es moche. Dès que tu retiens en bas, quand même. C'est bien, c'est censé la détruire, mais ça empire. C'est ça, quoi. Et pareil pour Jack, hein. C'est censé le tuer et il apparaît dans la DLC. Quand j'ai vu ce boss, j'ai trop pensé à Ada, enfin Clara dans Resident Evil 6, dans le bateau, quand tu joues Ada. Ouais. Et un peu le système de. Ouais, ça fonctionne plus facilement au jeu que. Et pareil, cette phase-là, j'ai réussi à mourir parce que j'avais plus de balles. Le nombre de personnes qui sont mortes, c'est pas le cas. Ah ouais? Ouais, plein de gens. Je vais dire, attends, je rigole, je vais mourir, mais non, c'est bon. C'est con ça. En plus c'est épique, c'est cinématique. Enfin, en cinématique, tu sais, visuellement c'est beau, tu vois, pour une fin de jeu. C'est un beau boss, mais pu créer de la difficulté sur ce boss. Parce que la fin est géniale. C'est comme Mass Effect 3, tout le monde s'est plaint en disant qu'il se passe rien, tu vois. Enfin, il y a pas vraiment de boss ou je sais pas quoi. Alors que moi j'ai trouvé génial. Et là c'est pas ça, je le trouve génial aussi. Mais le fait, là je bouge pas, tu vois, là il a dû faire une phase où je bouge, tu vois. Ouais. Ah le pauvre. En plus c'est le pied où il s'est fait couper. Non, c'est l'autre pied qui s'est fait couper. Et comme je parlais tout à l'heure quand c'était le 8. En vrai. On va regarder s'il y a encore la cicatrice à la main. Ah ouais, ça va être plus en plus que j'ai vu. Ouais. Oh putain, il est douillé. Je crois que c'est le personnage qui a le plus douillé de tous les Resident Evil. J'ai jamais vu quelqu'un dans Resident Evil un personnage autant blessé. Et en plus, quand t'entends cette voix-là, j'entends. Oh mais attends. Si me contacte avec ça, c'est il fait partie d'Umbrella. Attends, finalement peut-être Mia fait partie d'Umbrella, parce que c'est la montre de Mia. Ouais, je pense. Je sais pas, j'ai des doutes en fait. Il y a le fait des connexions qu'ils ont trouvé en premier. Et après je me dis quand Mia elle a repris conscience, et quand Ethan est arrivé que Mia a repris reconnaissance. Peut-être que c'est là qu'elle s'est dit, bon bah, je contacte Umbrella. Ouais, peut-être. Je sais pas. Boss trop facile. Donc, toute une phase. À la limite, une phase où tu t'échappes de la baraque alors que plein de tentacules de ouf et tout. Ça. Ouais. En plus, quand tu récupères que l'arme s'appelle le Albert, tu fais Dafek. Bon, moi je vais aller fumer, je vais aller me coucher, je pense. Bah ouais, parce que là c'est fini. Ouais. Bon, allez. Ouais, salut. Salut.
Redfield. Content de vous avoir trouvé. À la limite, tu passes de la tête de Resident Evil Code 1 et Code Veronica X à cette tête-là, je dirais pas. Or qu'on dirait, bon, ok, c'est peut-être Chris. Quand t'as l'habitude avec la tête du 5 et 6... On dit que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Eh bien, une porte s'est fermée ce soir. Cette nuit aura été longue, mais pas seulement pour moi. Mia et moi n'étions pas les seules victimes ici. Les Baker l'étaient aussi. C'est cette chose, Evelyne, qui les a rendus comme ça. Mais maintenant, là, quand tu vois ça, tu fais d'affect. Et ces types sont là pour faire le ménage. J'avais fini par faire le deuil de Mia une première fois. Mais il a fallu que je la perde à nouveau. Et pour moi, désormais, toutes les portes sont fermées. Et là, j'étais en mode génial. Chronos profite de ce meilleur crédit de tous les Resident Evil au monde. Voilà, et ce jeu, c'est une dinguerie. Là, enfin, je peux finir un jeu au mode. Tu vois, j'avais ça pour Resident Evil 1, tu fais waouh. Resident Evil 2,
C'était waouh, hein, c'était le 3, c'était waouh. Oh, que ce soit un remake ou pas. Le Code Veronica X, c'était pouah! Énorme. Et après, je t'avoue qu'avec le 4, bon, ouais. Le 5, ouais. Elles sont ok. En plus, je sais pas si c'est toutes les boîtes comme ça. Moi, j'ai la petite boîte. Comme ça. Qui est super stylée. Tu ouvres. Donc ça, c'est la pochette. À l'intérieur, t'as la maison. Franchement. Bungie, si t'es encore là, tu sais que tu peux te mute, s'il te plaît? J'ai la flemme. Ouais, dodo. Ouais, sinon, il y a qui est encore sur le stream là? Nous avons un FPS kill là. Busyman, Chronos. Mignon. Je sais pas si c'est un mode. Cas, on est quasi à la fin du marathon. Il manquera plus que les DLC à faire. Et on aura fini ce putain de marathon. Vas-y, je peux regarder s'il y a des vinyles. Resident Evil 7. Il y a un vinyle Resident Evil 0, Code Veronica X aussi. Oh, un vinyle Resident Evil 2! Il a combien? Y a un vinyle de Resident Evil Vendetta. Un t'as les vinyles des films mais pas de vinyle Resident Evil 7 malheureusement. Oh, et un portefeuille Resident Evil. Attends, il y a un jeu de société Resident Evil 2? Oh putain, c'est une version anglaise. Ça fait des jeux de société Resident Evil 2.
Ouais, de toute façon. Ouais, par contre, sur Internet, les vinyles, ils coûtent grave cher. Le top, c'est Resident Evil 4. Je vais. Ah, je vais le prendre. Dès que j'ai mon. Dès que je retourne au taf. Enfin, pas au taf, dès que j'aurai mon salaire, parce que ça coûtait cher le vinyle. Je l'achète direct. T'es passé niveau 43 Chronos. Voilà ce qui va rester. Il va avoir les DLC de Escape Room, Cauchemar, Blackjack, Zoé. Pour le 55e anniversaire de Jack, on fera pas. On a. Étant de mourir, on fera pas non plus. Et Chris et Joe. En plus de Joe qui apparaît comme une fleur dans le marais. Je voulais tester quoi? Bon, il y a ce téléphone crédit. Il est long le crédit de celui-là, putain. Donc en 6 heures. Oh putain, il y avait presque autant dans. Donc Resident Evil 3. Là je le connaissais. Accès au coffre 96 heures, oh putain. Donc voilà. Chronos, je vais y aller. Et demain soir on se finit Resident Evil. Voilà, ce sera la fin du marathon enfin. 3 semaines à faire ça, putain. Allez, salut.